Donc s'il s'inspire des types à massacrer leur femme, est-ce que c'est bien lui et pas son personnage? On revient bien toujours sûr. À la même question. Hein. En fait, il y a un truc qui m'énerve dans ce truc. Et un allez, truc, allez, 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 allez. Et un truc que je trouve ultra misogyne, c'est que quand je fais une chanson qui parle de quelqu'un qui s'en prend à sa femme, on dit il insulte les femmes. Il n'insulte pas les femmes. On il insulte. Vous insultez les homosexuels. Hein. Et c'est faux aussi d'ailleurs. Et il insulte. Un grand reproche qu'on vous fait sur l'homophobie, sur les alors les lesbiennes surexcitées. Les lesbiennes surexcitées, ça parle de féminisme, de féminisme un peu mal assumé. Et en plus, ça reste un personnage. Voilà, quand je fais une chanson qui parle d'un gars avec sa femme, on dit on parle des femmes. Pourquoi? Si une femme fait une chanson où elle va insulter son homme, comme Olivia Ruiz l'a fait ou comme Anaïs l'a fait, personne va dire elle insulte les hommes. Alors il y a une petite raison quand même, c'est qu'il y a des femmes qui meurent tous les jours sous les coups des hommes. Hein, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Non, bien sûr que non. Il n'y a pas d'hommes qui sont tués, trois hommes par jour. Il y a aussi beaucoup de gens qui meurent du cancer et on va quand même faire des chansons où on va dire le mot cancer.